HD. Bonjour, je suis Christian CAC, docteur en économie. CAC en trois lettres, c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir. Assez clair, bien sûr. Une entreprise de production est composée d'unités de production. Mais comment fait-elle pour savoir quoi produire et en quelle quantité? La gestion de production est là pour ça. Produire est une chose, produire aux bonnes quantités et au bon moment en est une autre. Les agents de programmation ont pour but de planifier les OF et d'organiser la production des articles dont ils ont la charge, suivant les flux prévus sur la période. Et tout en adéquation avec les besoins. Les IPF, quant à eux, fournissent les prévisions de charge à partir desquelles les flux des sous-ensembles seront calculés. Ces flux sont fournis aux différentes filières pour qu'elles se dimensionnent. Comme dirait ma fille, tout a l'air de marcher comme sur des roulettes. Mais n'y aura-t-il pas quelque chose à améliorer? Pour le savoir, je vais interroger le professeur Denardo, spécialiste en gestion de production. Alors professeur, est-ce que c'est si simple? Mon cher Christian, tout irait pour le mieux si le scénario de charge était stable sur un horizon de 6 mois. Sauf que dans la vraie vie, on peut se retrouver à changer l'ordre des besoins et devoir replanifier tous les sous-ensembles. Plus les cycles sont longs, plus l'impact d'une replanification est grande, et moins on est réactif au changement. Donc, si je comprends bien, la production d'un équipement actuellement, c'est un peu comme un paquebot qui s'engage dans un canal. Une fois lancé, il est dur de changer de cap. En réduisant les cycles de production, on améliore la fluidité et donc la réactivité. On est alors à même de s'adapter rapidement aux exigences de nos clients. J'espère que tout est clair pour vous sur les défis à relever. Retenez une chose, réduire les cycles permet de fluidifier les encours et permet ainsi à la gestion de production d'être plus réactive. Voilà, il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Notre programme est terminé. Rendez-vous à bientôt pour une nouvelle thérapie économique du Dr. CAC. CAC en trois lettres, c'est assez clair.